We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. There's probably nothing more debate or talked about in our industry right now than electric vehicles. The chairman of Toyota, Akio Toyoda, has apologized for massive cheating on certification tests. Words cannot express my gratitude. I think he's legit. Like, everything I've looked at, it's like this guy actually made this thing which could totally revolutionize the world. Like, it's physically possible, so I think we can do it. They've figured something that crazy out. It's kind of game over. Toyota, we certainly have great votes of confidence and validation from... Yes, you do. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Bienvenue dans un épisode passionnant où nous explorons les dernières déclarations audacieuses du PDG de Toyota, qui a affirmé qu'Elon Musk serait époustouflé par leur nouveau moteur. Dans le monde en constante évolution de l'innovation automobile, cette déclaration a suscité de l'excitation, de la curiosité et bien sûr, une certaine rivalité amicale. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que pourrait impliquer ce nouveau moteur, les répercussions pour l'industrie automobile, et comment il positionne Toyota dans le paysage concurrentiel face à Tesla. Toyota a une longue histoire dans le monde automobile, reconnue pour sa fiabilité, son innovation et son engagement fort en faveur de la durabilité. L'entreprise a été l'une des pionnières de la technologie hybride avec l'introduction de la Prius à la fin des années 1990. À mesure que les véhicules électriques, VE, gagnaient en popularité, Toyota a recalibré sa stratégie, se concentrant sur diverses formes d'électrification, notamment les piles à hydrogène et les véhicules électriques à batterie. Le récent commentaire du PDG de Toyota a posé les bases de ce qui pourrait être un moment décisif pour l'entreprise. Que veut-il dire exactement par « nouveau moteur » Décomposons-le. S'agit-il d'un moteur électrique innovant, d'une nouvelle chaîne cinématique hybride ou de quelque chose de totalement différent? Comprendre les détails nous aidera à saisir pourquoi cette déclaration a suscité tant d'attention. L'un des aspects clés qui pourrait différencier le nouveau moteur de Toyota est son efficacité. Comme nous le savons tous, l'efficacité est primordiale dans les véhicules électriques et hybrides. Si Toyota a développé un moteur qui améliore considérablement la conversion d'énergie et réduit les pertes, cela pourrait leur donner un avantage substantiel sur le marché. Cette efficacité pourrait signifier une plus grande autonomie pour les véhicules électriques, ou une meilleure économie de carburant pour les hybrides, répondant directement aux préoccupations des consommateurs. Une autre possibilité est que Toyota ait réalisé des avancées dans la conception des moteurs. Cela pourrait impliquer un moteur plus petit et plus léger qui offre toujours de hautes performances. De tels progrès seraient cruciaux pour améliorer les performances globales de leurs véhicules électriques. Imaginez une voiture qui non seulement accélère rapidement, mais qui a également un poids réduit, ce qui conduit à une meilleure maniabilité et à une expérience de conduite améliorée. Parlons maintenant de la technologie derrière les moteurs électriques. Si Toyota a développé un nouveau type de moteur utilisant des matériaux innovants ou des techniques d'ingénierie inédites, cela pourrait les démarquer de Tesla et d'autres concurrents. Tesla est connu pour son impressionnant groupe motopropulseur électrique qui a établi des normes dans de nombreux domaines. Si le nouveau moteur de Toyota peut surpasser celui de Tesla de manière significative, ce serait un véritable bouleversement. Un domaine dans lequel Toyota a toujours excellé est la fiabilité et la durabilité. Si le nouveau moteur améliore ses caractéristiques, cela pourrait être un argument de vente majeur. Les consommateurs priorisent souvent la fiabilité, en particulier lorsqu'ils font un investissement aussi important que l'achat d'un véhicule. Un moteur qui dure plus longtemps avec moins de problèmes de maintenance capterait certainement l'attention des acheteurs. Le commentaire du PDG de Toyota soulève également des questions sur la manière dont ce nouveau moteur sera intégré à la gamme existante de l'entreprise. Sera-t-il introduit dans un nouveau modèle ou remplacera-t-il les moteurs des véhicules actuels? De plus, comment s'intégrera-t-il dans leur stratégie d'électrification globale? Toyota a été relativement conservatrice dans son approche des véhicules entièrement électriques par rapport à des concurrents comme Tesla, donc ce nouveau développement pourrait indiquer un changement de stratégie. En approfondissant, examinons le paysage concurrentiel.
Tesla a fixé la barre pour les véhicules électriques, mais d'autres constructeurs rattrapent rapidement. Des rivaux comme Ford, Volkswagen et maintenant Toyota investissent massivement dans la mobilité électrique. L'émergence du nouveau moteur de Toyota pourrait perturber cette compétition, surtout s'il offre des avantages uniques que Tesla ne peut pas égaler. De plus, la rivalité entre Tesla et Toyota ne concerne pas seulement la technologie, mais aussi la perception de la marque. Tesla est souvent perçu comme le leader de l'innovation et de la technologie de pointe, tandis que Toyota est synonyme de fiabilité et de praticité. Si Toyota parvient à lancer un produit qui défie l'avance technologique de Tesla, cela pourrait modifier la perception des consommateurs et redéfinir la concurrence sur le marché des véhicules électriques. Cela nous amène à considérer comment le nouveau moteur de Toyota pourrait influencer le marché dans son ensemble. S'il est aussi révolutionnaire que le suggère le PDG, cela pourrait pousser d'autres fabricants à accélérer leurs propres innovations. De cette manière, la concurrence peut favoriser le progrès, entraînant de meilleurs produits pour les consommateurs. Un autre facteur crucial dans cette discussion est la durabilité. À mesure que l'industrie automobile s'oriente vers l'électrification, la réduction de l'impact environnemental est devenue une préoccupation centrale. Si le nouveau moteur de Toyota contribue à réduire les émissions ou utilise des matériaux durables, cela pourrait bien résonner avec les consommateurs soucieux de l'environnement. L'introduction d'un nouveau moteur s'inscrit également dans des tendances plus larges en matière d'énergie. Avec la demande croissante de sources d'énergie propres, les avancées dans la technologie des moteurs électriques seront cruciales. Si le nouveau moteur de Toyota intègre des caractéristiques qui améliorent l'utilisation des énergies renouvelables, il pourrait parfaitement s'aligner sur les objectifs mondiaux de durabilité. Parlons également des infrastructures de recharge, un domaine où Tesla a réalisé des avancées significatives. Historiquement, Toyota s'est concentré sur les hybrides et les piles à hydrogène. Mais si leur nouveau moteur est conçu pour les véhicules électriques à batterie, comment vont-ils aborder la question de la recharge? Vont-ils collaborer avec des fournisseurs de réseaux de recharge pour s'assurer que leurs clients aient accès à une infrastructure de recharge robuste? La façon dont les consommateurs chargent leurs véhicules joue un rôle essentiel dans l'adoption des véhicules électriques. Si Toyota peut proposer des solutions qui facilitent la recharge et la rendent plus accessible, cela pourrait renforcer encore l'attrait de son nouveau moteur. Passons maintenant aux attentes des consommateurs. Il est essentiel de reconnaître que les acheteurs d'aujourd'hui sont plus informés et exigeants que jamais. Ils recherchent des véhicules qui offrent non seulement performance et efficacité, mais qui s'alignent également sur leurs valeurs. Si le nouveau moteur de Toyota peut répondre à ces attentes, il résonnera probablement bien auprès des consommateurs. Un avantage significatif que possède Toyota est sa réputation bien établie et sa base de clients fidèles. Alors que Tesla a fait des vagues sur le marché des VE, de nombreux consommateurs font encore confiance à Toyota pour son historique de fabrication de véhicules fiables. Cette fidélité à la marque pourrait jouer un rôle crucial dans la façon dont le marché reçoit le nouveau moteur. En considérant les implications du nouveau moteur de Toyota, il est essentiel d'examiner l'impact potentiel sur les prix. Si le nouveau moteur permet une production rentable, Toyota pourrait proposer des prix compétitifs pour ses véhicules, rendant la mobilité électrique plus accessible à un public plus large. Cela pourrait encore plus défier Tesla, dont les véhicules affichent souvent un prix premium. L'annonce suscite également des spéculations sur de futures collaborations ou partenariats. Si le nouveau moteur de Toyota est aussi révolutionnaire que suggéré, l'entreprise pourrait rechercher des partenariats avec des entreprises technologiques, des fabricants de batteries ou même des fournisseurs d'énergie renouvelable. Des collaborations comme celle-ci pourraient améliorer la technologie et élargir ses applications, créant de nouvelles opportunités d'innovation. Approfondissons la technologie elle-même. Toyota a une riche histoire de recherche et développement dans la technologie automobile. Il est donc raisonnable de s'attendre à ce que ce nouveau moteur exploite des matériaux avancés et des techniques d'ingénierie. Par exemple, l'utilisation du carbure de silicium dans l'électronique de puissance a gagné du terrain en raison de son efficacité. Si Toyota a intégré une telle technologie dans son nouveau moteur, cela pourrait entraîner des améliorations significatives des performances.
De plus, les avancées en intelligence artificielle et en apprentissage automatique pourraient également jouer un rôle dans le fonctionnement de ce nouveau moteur. Si le moteur intègre des fonctionnalités intelligentes qui s'adaptent aux conditions de conduite ou optimisent les performances en temps réel, cela améliorerait l'expérience de conduite globale et l'efficacité. Il y a aussi le potentiel pour Toyota d'innover dans le logiciel en fournissant des fonctionnalités qui améliorent l'interaction des utilisateurs avec le véhicule. Imaginez un tableau de bord qui affiche non seulement la consommation d'énergie, mais qui suggère également les meilleurs itinéraires pour optimiser la durée de vie de la batterie. De telles fonctionnalités intelligentes pourraient distinguer l'offre de Toyota de celle de Tesla et d'autres concurrents. Discutons de la manière dont cette annonce s'inscrit dans le récit plus large de la transition de l'industrie automobile vers l'électrification. La course à l'électrification des véhicules est lancée et les entreprises qui peuvent innover rapidement auront un avantage significatif. Si le nouveau moteur de Toyota s'avère être une percée, cela pourrait positionner l'entreprise comme un leader dans cette transition, attirant à la fois les acheteurs de voitures traditionnelles et une nouvelle génération de consommateurs éco-responsables. De plus, le paysage automobile évolue vers des solutions de mobilité intégrées. Les consommateurs ne recherchent pas seulement des voitures, mais des expériences de mobilité holistiques. Si le nouveau moteur de Toyota s'aligne sur des tendances plus larges en matière de mobilité partagée, de conduite autonome ou d'initiatives de villes intelligentes, cela pourrait créer de nouvelles avenues pour la croissance et l'innovation. En regardant vers l'avenir, il est essentiel de reconnaître que l'industrie automobile est en plein bouleversement. Les fabricants traditionnels s'adaptent à de nouvelles réalités, tandis que de nouveaux entrants redéfinissent le marché. La déclaration audacieuse de Toyota concernant son nouveau moteur est un rappel de la compétition intense et de l'élan vers l'innovation qui caractérise ce paysage. Enfin, nous ne pouvons ignorer l'aspect culturel de cette rivalité. Elon Musk et le PDG de Toyota représentent des philosophies différentes dans le monde automobile. L'approche de Musk a été caractérisée par une innovation rapide et une volonté de prendre des risques, tandis que Toyota s'est concentrée sur des améliorations progressives et la fiabilité. Cette division philosophique ajoute une couche intéressante à la compétition, chaque entreprise cherchant à démontrer sa vision pour l'avenir de la mobilité. En conclusion, la déclaration audacieuse du PDG de Toyota concernant leur nouveau moteur et son potentiel à impressionner Elon Musk met en lumière un moment clé dans l'industrie automobile. Alors que nous attendons plus de détails sur ce nouveau moteur, il est clair que la compétition entre les constructeurs automobiles traditionnels et les pionniers des véhicules électriques comme Tesla s'intensifie. Avec des innovations à l'horizon, nous pouvons nous attendre à un voyage passionnant à venir, rempli de progrès en matière de technologie, de durabilité et de choix pour les consommateurs. La course pour mener la mobilité électrique est loin d'être terminée, et les prochains développements de Toyota pourraient jouer un rôle significatif dans la définition de l'avenir des transports. Merci de nous avoir rejoints pour explorer les implications de l'annonce passionnante de Toyota. Nous vous tiendrons informés à mesure que cette histoire évolue et que nous en apprendrons davantage sur ce qui pourrait être un moment déterminant pour l'industrie automobile. Restez à l'écoute pour obtenir plus d'informations sur l'avenir de la mobilité et les innovations qui façonneront nos routes dans les années à venir. Alors que nous approfondissons l'annonce passionnante de Toyota concernant leur nouveau moteur, il est essentiel de considérer le contexte historique de la stratégie d'innovation de Toyota. Au fil des années, Toyota s'est forgé une réputation de pionnier dans des technologies qui deviennent souvent des normes dans l'industrie. De l'introduction de la première voiture hybride produite en série à leur travail continu sur la technologie des piles à hydrogène, Toyota a démontré un engagement constant en faveur de l'innovation durable. Ce contexte renforce l'affirmation audacieuse du PDG, suggérant que ce nouveau moteur pourrait redéfinir le paysage concurrentiel des véhicules électriques. Pour comprendre pleinement les implications de cette annonce, nous devrions examiner l'état actuel de la technologie des véhicules électriques. Tesla a sans doute dominé les gros titres avec ses avancées dans la technologie des batteries, les fonctions de conduite autonome et son réseau de superchargeurs. Cependant,
cette croissance rapide s'est accompagnée de défis, notamment des contraintes dans la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des coûts de production et des problèmes de service à la clientèle. Ces facteurs ont ouvert la voie à des constructeurs traditionnels comme Toyota pour proposer leurs propres innovations et solutions. L'industrie automobile subit une transformation significative. Avec l'accent croissant mis sur la durabilité et la nécessité de lutter contre le changement climatique, les véhicules électriques sont devenus le point central de cette évolution. Les réglementations gouvernementales dans le monde entier renforcent les normes d'émissions, ce qui pousse les fabricants à innover rapidement. Le nouveau moteur de Toyota pourrait être une réponse opportune à ces défis, offrant une alternative qui non seulement répond aux exigences réglementaires, mais dépasse aussi les attentes des consommateurs. Explorons les aspects techniques de ce nouveau moteur. Toyota est connu pour son ingénierie méticuleuse et son attention aux détails. S'ils ont effectivement développé un moteur électrique plus efficace, nous pouvons nous attendre à des avancées dans plusieurs domaines clés : la densité de puissance, la gestion thermique et l'intégration avec les systèmes de batterie. La densité de puissance est un facteur crucial dans les moteurs électriques, car elle détermine la quantité de puissance générée en fonction de la taille et du poids du moteur. Un moteur avec une haute densité de puissance permet de meilleures performances tout en maintenant le poids du véhicule faible, ce qui améliore l'efficacité. Si le nouveau moteur de Toyota utilise des matériaux innovants ou des techniques de conception pour augmenter la densité de puissance, cela pourrait considérablement améliorer les performances de leurs véhicules électriques. La gestion thermique est un autre aspect essentiel de la conception des moteurs électriques. Des systèmes de gestion thermique efficaces sont essentiels pour garantir des performances optimales et une longue durée de vie. Si Toyota a fait des progrès dans ce domaine, cela pourrait améliorer la fiabilité et l'efficacité dans diverses conditions de conduite. Une meilleure gestion thermique permettrait au moteur de maintenir ses performances sur de plus longues périodes, réduisant l'usure et améliorant l'expérience de conduite globale. En outre, l'intégration avec les systèmes de batterie est cruciale pour maximiser les performances des véhicules électriques. Toyota a été un leader dans la technologie hybride, et son expérience dans ce domaine pourrait lui donner un avantage pour créer un moteur qui fonctionne en harmonie avec des systèmes de batteries avancés. En optimisant la relation entre le moteur et la batterie, Toyota pourrait améliorer l'efficacité globale et l'autonomie de ses véhicules. Prenons aussi un moment pour réfléchir à la signification de la déclaration du PDG dans le contexte de la concurrence et de l'image de marque. Lorsqu'un dirigeant fait une déclaration aussi audacieuse, cela génère non seulement de l'intérêt, mais cela crée aussi des attentes élevées pour le produit. Ce type de confiance peut avoir un effet d'entraînement au sein de l'organisation, motivant les équipes à repousser les limites de l'innovation et à viser l'excellence. Dans le passé, Tesla a souvent été perçue comme une entreprise technologique qui fabrique des voitures, tandis que Toyota a été vu comme un constructeur automobile traditionnel, axé sur la fiabilité. L'émergence du nouveau moteur de Toyota pourrait brouiller ces lignes, repositionnant potentiellement l'entreprise comme un leader de l'innovation dans le domaine des véhicules électriques. Si cela réussit, cela pourrait transformer la perception des consommateurs, suscitant un nouvel intérêt pour les offres de Toyota. La dynamique de concurrence entre Toyota et Tesla soulève également des questions intéressantes sur l'avenir du marché automobile. Alors que les deux entreprises s'efforcent de se surpasser, nous pouvons anticiper une cascade d'innovations qui profiteront aux consommateurs. Ce type de concurrence est sain pour l'industrie, car il stimule des progrès qui peuvent aboutir à des véhicules plus sûrs, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. N'oublions pas le rôle des attentes des consommateurs dans cette histoire. Les consommateurs d'aujourd'hui ne cherchent pas seulement des voitures. Ils recherchent des expériences, des valeurs et des marques qui correspondent à leur style de vie. Les acheteurs de véhicules électriques sont particulièrement motivés par la durabilité, la performance et la technologie. Si le nouveau moteur de Toyota parvient à s'aligner sur ces valeurs, il pourrait obtenir un avantage concurrentiel important. Dans un paysage où la fidélité à la marque est cruciale,
la manière dont Toyota communiquera les avantages de son nouveau moteur sera essentielle. Des stratégies de marketing efficaces qui mettent en avant la technologie, l'efficacité et la durabilité du moteur seront vitales pour capter l'intérêt des consommateurs. De plus, interagir avec les clients via les réseaux sociaux et des campagnes interactives pourrait créer du buzz et susciter de l'attente avant le lancement du produit. De plus, le potentiel du nouveau moteur de Toyota à s'intégrer avec d'autres technologies émergentes ne doit pas être sous-estimé. L'industrie automobile est de plus en plus interconnectée avec les avancées en intelligence artificielle, connectivité et initiatives de villes intelligentes. Si Toyota parvient à positionner son nouveau moteur dans ce contexte plus large, il pourrait attirer des consommateurs férus de technologies innovantes. Un axe de croissance pourrait se situer dans le domaine de la conduite autonome. À mesure que les véhicules deviennent plus connectés et intelligents, la relation entre le moteur et les systèmes autonomes deviendra de plus en plus importante. Un moteur conçu en tenant compte de cette intégration pourrait améliorer les performances du véhicule en temps réel, offrant une accélération plus fluide et une meilleure maniabilité. Cela pourrait distinguer Toyota dans la course vers les véhicules entièrement autonomes. L'impact du nouveau moteur de Toyota pourrait dépasser les véhicules particuliers. Le marché des véhicules commerciaux est mûr pour une disruption et les groupes motopropulseurs électriques font déjà des percées significatives. Si Toyota parvient à exploiter sa nouvelle technologie de moteur dans les camions et les véhicules commerciaux, cela pourrait ouvrir un nouveau segment lucratif, offrant des solutions aux entreprises cherchant à réduire leur empreinte carbone. Il faut aussi prendre en compte les implications pour les marchés internationaux. Alors que les véhicules électriques gagnent en popularité à travers le monde, le nouveau moteur de Toyota pourrait aider l'entreprise à renforcer sa présence sur les marchés émergents. De nombreux pays sont désireux de passer à un transport durable et avoir un moteur de pointe pourrait donner à Toyota un avantage significatif dans les régions où les infrastructures sont encore en développement. Le potentiel de partenariat et de collaboration apparaît également comme un thème important. Si la technologie du nouveau moteur de Toyota s'avère révolutionnaire, nous pourrions voir des collaborations avec des entreprises technologiques, des fabricants de batteries et des fournisseurs de réseaux de recharge. De tels partenariats pourraient améliorer le développement et le déploiement des véhicules électriques, les rendant plus accessibles et attrayants pour un public plus large. En outre, le potentiel de développement de la propriété intellectuelle ne doit pas être sous-estimé. Si Toyota développe des technologies uniques dans le cadre de ce nouveau moteur, cela pourrait créer des opportunités de licence ou de partenariat qui renforceraient encore sa position sur le marché. La propriété intellectuelle pourrait devenir un atout précieux, offrant à Toyota de nouvelles sources de revenus et renforçant son avantage concurrentiel. En réfléchissant aux implications plus larges du nouveau moteur de Toyota, il est essentiel de considérer comment il s'aligne sur les objectifs mondiaux de durabilité. L'industrie automobile joue un rôle crucial dans les émissions de carbone, et la transition vers les véhicules électriques est une étape essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Si le nouveau moteur de Toyota réduit significativement les émissions, il pourrait contribuer à atteindre les objectifs climatiques internationaux et séduire les consommateurs soucieux de l'environnement. Nous devrions également explorer les défis potentiels qui nous attendent. L'industrie automobile est complexe et le développement et le lancement de nouvelles technologies rencontrent souvent des obstacles. Toyota devra naviguer à travers les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les exigences réglementaires et les dynamiques du marché pour réussir à amener ce nouveau moteur sur le marché. De plus, l'acceptation par les consommateurs jouera un rôle clé dans le succès du nouveau moteur. Bien que de nombreux consommateurs soient impatients de passer aux véhicules électriques, d'autres peuvent encore avoir des réserves concernant les performances, l'autonomie et l'infrastructure. Toyota devra répondre à ces préoccupations directement en fournissant des informations claires sur les capacités et les avantages de leur nouveau moteur. L'importance de l'éducation des consommateurs ne peut être sous-estimée. À mesure que le paysage automobile évolue, les consommateurs peuvent avoir besoin d'être guidés pour s'adapter aux nouvelles technologies. Toyota a l'occasion de prendre les devants en éduquant les consommateurs sur les véhicules électriques
en fournissant des ressources et du soutien pour faciliter la transition. En regardant vers l'avenir, nous pouvons anticiper un changement dans le discours automobile à mesure que le nouveau moteur de Toyota prend forme. La rivalité entre Tesla et Toyota représente une histoire plus vaste sur l'avenir de la mobilité. Alors que les deux entreprises luttent pour la domination du marché des véhicules électriques, nous pouvons nous attendre à une avalanche d'innovations qui profiteront finalement aux consommateurs. Dans ce paysage en évolution, le rôle des politiques gouvernementales et des incitations sera également crucial. Alors que de plus en plus de pays s'engagent à réduire les émissions de carbone et à promouvoir les véhicules électriques, des politiques de soutien peuvent créer un environnement favorable pour les fabricants. Le nouveau moteur de Toyota pourrait s'aligner sur ces initiatives, positionnant la société comme un leader dans le transport durable. Alors que nous attendons plus d'informations sur les spécificités du nouveau moteur de Toyota, il est essentiel de reconnaître l'impact potentiel sur l'écosystème automobile. L'introduction de technologies innovantes conduit souvent à des changements dans les chaînes d'approvisionnement, les processus de fabrication et les comportements des consommateurs. Si le nouveau moteur de Toyota capte l'intérêt des consommateurs, cela pourrait catalyser de nouveaux investissements dans les infrastructures et technologies des véhicules électriques. En conclusion, la déclaration audacieuse du PDG de Toyota concernant leur nouveau moteur suggère un moment charnière pour l'industrie automobile. En regardant vers l'avenir, nous pouvons nous attendre à une concurrence dynamique qui favorisera l'innovation et poussera l'industrie vers une plus grande durabilité. L'engagement de Toyota envers l'excellence en ingénierie, combiné à son expérience étendue dans les technologies hybrides et électriques, place l'entreprise dans une position idéale pour avoir un impact significatif. Si le nouveau moteur répond ou dépasse les attentes, il pourrait remettre en question le statu quo et remodeler le paysage des véhicules électriques.